Allez, bon match à tous, on essaye de tous d'être derrière les oranges pour décrocher cette première victoire. Bon match! Du coup, c'était un match de
une première mise en route assez compliquée. Première mi-temps, on prend un carton rouge juste avant la pause, ça fait mal. Parce qu'on était bien parti, je trouve qu'on était bien en place. Après, entrée de deuxième, on prend encore un rouge, donc ça devient plus compliqué, 9 contre 11. Je trouve qu'on s'est bien battu malgré tout. Le score 2-1 pour avoir joué une mi-temps complète en infériorité numérique. Après voilà, c'est la Nationale 3, c'est pas l'air, hein. Ce sont des petits détails, donc on va continuer de progresser et espérer qu'on fasse mieux le prochain match. Voilà. Bah, c'était un match qu'on savait qu'il allait être important, surtout le premier match, c'est très important de bien démarrer la saison. On le savait, on avait un discours qui était assez cohérent depuis le début, qui était de bien démarrer le début de saison. On l'a très bien fait aujourd'hui. Voilà, le plus important, c'était les points qui sont à prendre tout au long de la saison. Donc maintenant, il va falloir enchaîner et continuer sur cette bonne prestation malgré le but encaissé sur la fin. Voilà. Bah, c'est Jean-Marie Elie, donc entraîneur de l'équipe de l'AS Cherbourg. Bon, pour notre premier match, on est très satisfait parce qu'on est ici pour faire un résultat, on l'a obtenu. Bon, c'est vrai que l'équipe adverse a joué à 9, à 10 et à 9 pendant un certain temps. Mais dans l'esprit, c'était bon, bien en place. On a su se créer des occasions, on a mis 2 buts, on aurait pu en mettre plus. Mais bon, le principal, c'est la victoire. Malheureusement, on a pris un but dans les 5 dernières minutes qui nous a fait un petit peu peur. Donc, en espérant qu'on arrivera à se concentrer pendant 90 ou 95 minutes.